16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël. Mes amis, galoper dans la plaine du savoir à vos côtés chaque après-midi est toujours un honneur. Doublé aujourd'hui d'un bonheur puisqu'on reçoit Michel Blanc, adorable comme je l'imaginais. On passe vraiment un moment fabuleux, les chroniques sont bien, même la lumière dans le studio Coluche est différente. Vous voulez que ça me foute, je suis pas peintre. Bien, donc un super moment aussi pour Michel. Et on va crescendo puisque c'est l'heure fatidique du quiz. Michel Blanc, thème du quiz aujourd'hui, clin d'œil évidemment à votre film Docteur, puisque vous allez être opposé à Eva Rock sur un terrain médical. Voilà. C'est un vrai faux. Chaque bonne réponse, vous êtes hypochondriaque, paraît-il. Oui, mais enfin, ça prépare à la mort, pas à la médecine. C'est parti quand même. Eva Rock, oui. En Allemagne, la cour de Francfort a reconnu la gueule de bois comme étant officiellement une maladie, vrai ou faux? Ah bah, j'ai très très envie de dire vrai. Mais réfléchissez avant de donner une réponse. Bah, je dis vrai. Vous dites vrai quand même? Oui, je dis vrai quand même. Et comme quoi, c'est quand vous ne réfléchissez pas que vous donnez les meilleures réponses. Ouais. C'est vrai. Le 23 septembre dernier, en pleine fête de la bière, la cour a interdit la commercialisation d'une boisson prétendant lutter contre la gueule de bois, argumentant que n'étant pas un médicament, elle ne pouvait pas se vanter de guérir une maladie, donnant par le même coup à la gueule de bois le statut officiel en Allemagne de maladie. Ils sont très forts. On sait, Eva, vous passerez vos fêtes de fin d'année. Exactement. Michel Blanc, aux États-Unis, deux docteurs californiens ont mis au point un robot du nom de Steve Tooth, véritable simulateur d'un patient qui souffrirait des dents, pour entraîner les étudiants en orthodontie, vrai ou faux? Steve Tooth. Ben, le nom me fait penser que c'est une connerie, mais il y a beaucoup de simulateurs, pas seulement pour les avions, pour les médecins aussi, donc c'est fort possible. C'est fort possible, et moi j'aurais répondu vrai, parce que en plus je suis sûr que ça existe. On me dit faux. Ah bon? Par contre, il existe Patrick pour s'entraîner à faire un toucher rectal. C'est un robot représentant une paire de fesses reliées à un corps virtuel dans lequel l'étudiant peut introduire un doigt. Patrick interagit avec l'étudiant selon la qualité du toucher. Bah, ils sont cons, à mon avis, ils auraient eu beaucoup de candidats. Oui. C'était effectivement l'autre option. On est aux États-Unis, ils sont plus prudes que nous, vous savez, Michel. Mais c'est ça vrai. Rappelle quand même une scène du film. Ça rappelle. Oui, avec Artus. Avec un certain Artus. Voilà, dévoile pas. On ne dévoile pas. Eva Rock, Michel Blanc, vous répondez ensemble. Je vous présente Arthur Larsen, champion de tennis dans les années 50, finaliste même de Roland-Garros. Il a même gagné l'US Open. Et pourtant, les médecins lui avaient diagnostiqué une maladie très rare. Laquelle? Trois propositions. Gaucher, il avait la main paralysée, il a dû apprendre à jouer de la main droite. Bipolaire, il pensait avoir un aigle sur l'épaule. Ou trois, victime d'hyperballonnement, il avait une dérogation de retourner au vestiaire à chaque changement de côté. Oh non, c'est des questions là, franchement. C'est très pointu, Michel. C'est plus que pointu. C'est pas moi. Le moins couillon des trois, c'est d'apprendre à jouer de l'autre main. Ah ouais, ouais. C'est vrai que c'est le plus malin. Oui. Eva? Moi, je vais dire la réponse 2, là, qui est complètement bipolaire, absurde. Il pensait avoir un nez sur l'épaule. Ouais. Mais je vois pas en quoi mais ça vous-même, gênerait. Vous devez être assez dérangé pour pouvoir penser que c'est la bonne réponse. Oui, mais moi, vous savez que je suis complètement folle. Et pourtant, vous avez la bonne réponse. Alors, je connaissais pas cette histoire. Pourtant, les histoires du sport, on a reçu Gérard Rolfe un nombre de fois à celui-là. Il pensait avoir un aigle sur l'épaule, il lui parlait même pendant le match, il était connu pour avoir toujours en dehors des cours une cigarette ou un verre à la main, ou les deux. À l'US Open, il avait même demandé de faire couvrir les statues d'aigle en marbre pour ne pas perturber le sien. Eh oui, son aigle qu'il avait sur l'épaule. Ça, voilà. ça fait partie des gens que je n'aimerais pas trop rencontrer. Je pense qu'aujourd'hui... Surtout sur un cours. Eva Rock, en Inde, on est tellement sensibilisé aux médecines traditionnelles qu'il y a un ministre du yoga, vrai ou faux? Oh, pourquoi pas, oui. Allez, un ministre du yoga, c'est une bonne idée. Eva est touchée par la grâce aujourd'hui. C'est vrai? Ou tout simplement le hasard la favorise-t-elle? Vrai, c'est le cas depuis 2014. Il est également ministre de l'Ayurveda, qui est une sorte de yoga pour l'esprit, ainsi qu'un ministre de l'homéopathie. Ah bon? Oui. Ce qui prouve que l'homéopathie, enfin bref. Oui, voilà. Mais ne doit pas être remboursée. Dernière question qui va vous départager, c'est la question bonus. Elle vaut 4 points. Je ne gagne jamais, Michel Blanc, la touche a été inventée par le médecin personnel de Louis-Philippe Ier. Extrêmement actif, il trouvait que prendre des bains prenait trop de temps. Vrai ou faux? C'est vrai que ça prend trop de temps, j'en prends pas. Je prends que des douches. Donc je serais tenté de dire que c'était un homme intelligent. Maintenant, est-ce que c'est vrai? J'en sais foutre rien. Vous avez toujours le bon raisonnement, Michel, mais jamais la bonne réponse. C'est faux. En revanche, la douche a bien été inventée par un docteur Mary Delaboste, au XVIIIe siècle. Il était le médecin-chef de la prison de Rouen. Le taux de mortalité de l'établissement était tellement important à cause de l'hygiène qu'il a eu cette idée très économique et salutaire pour la santé des détenus. La douche, tout simplement. Ah non, pardon, je vais annoncer. C'est donc
À la surprise générale. C'est la première fois depuis le début de l'année. Eva Rock qui remporte. Et vous noterez que quand Eva Rock remporte un quiz, il n'y a pas de musique gay pour souligner la victoire. C'est parce que vous aviez en face de vous un médiocre candidat. Non, pas du tout. D'ailleurs, vous avez appris à faire des gestes pour bien représenter le monde. Ah bah oui, il faut que ça ait l'air vrai. Le toucher rectal ? Non, parce que c'est pas moi qui m'en occupe. Chacun sa spécialité, c'est Hakim ça.